Monsieur Fabrice Ledecky, je vous remercie de nous avoir accueillis. Donc, vous allez nous présenter donc votre entreprise et un peu le cheminement. D'abord, quelle a été votre motivation pour vous engager dans une démarche de type RSE? Très bien, bonjour et merci de votre visite. Donc, je me présente, je m'appelle Fabrice Ledecky, je suis le gérant de la filature du parc dans le Tarn. Nous sommes donc une filature de fil cardé, une petite entreprise, une PME donc de 40 personnes environ. L'usine a été créée par mon père en 1975 et nous réalisons donc tout type de fils classiques ou fantasy destinés à la fabrication de mailles ou de chaînes et trames, habillement, ameublement, tissus également techniques à application industrielle. Quelle a été la première idée pour vous lancer dans le fil 100% recyclé, quoi ? Alors, il y a 7-8 ans de cela, donc nous avons eu l'idée de travailler des fils donc en 100% recyclés, puisque déjà dans notre métier, donc en filature cardée, nous utilisons déjà des matières recyclées à hauteur de 10 ou 15% qui sont des matières effilochées. Donc, en fait, l'idée est née de là. Et donc il y a 7 ans, donc, nous avons fait les premiers essais donc, de fils 100% à recycler avec les supports donc, que nous avions à l'époque, qui étaient ni plus ni moins que des matières donc, effilochées. Donc on craignait quand même le résultat, étant donné que l'effilochage, c'est un résultat de transformation de déchets complémentaires donc en matière, mais qui transforme donc, ces matières en fibres courtes. Donc déjà, nous craignions un petit peu le boulochage et le peeling. Mais nous avons donc réalisé ces essais avec ces supports. Nous avons réussi à faire du fil, nous l'avons tricoté. Mais malheureusement, lorsque nous sommes arrivés au stade d'IFTH pour les contrôles qualité, ben, on a eu bien sûr la déception de voir que nous étions en cotation peeling donc, avec du 1 sur 5. Donc c'était bien sûr très mauvais. Donc nous avons dû reconsidérer tout ça. Et nous avons eu l'idée donc, de prendre le problème à l'envers. Et de travailler en fait à la réalisation de machines de façon à transformer cette maille donc en fibre plus longue, puisque le problème en fait de la non qualité de ces produits, c'était tout simplement les fibres courtes dues aux matières effilochées. Voilà, donc nous sommes rapprochés d'un effilocheur et d'un fabricant de matériel en Italie avec qui nous avons réalisé deux machines. Alors ça nous a pris quand même 2 ans et demi pour arriver à obtenir de bons résultats. Et nous avons réalisé 2 machines, donc une machine sur laquelle nous faisons un pré-démaillage des tricots et une seconde machine où nous faisons un défibrage. Donc c'est totalement différent de l'effilochage. Et l'avantage du défibrage, c'est qu'on arrive aujourd'hui à retransformer la maille donc sur une hauteur de entre 50 et 60 mm contre une hauteur de 5 à 10 mm en effilochage. Donc il faut savoir que généralement, déjà en filature cardée, les fibres que nous travaillons en fibre vierge sont déjà sur des hauteurs entre 50 et 60 mm de hauteur maximum. Donc nous travaillons des fibres recyclées avec des hauteurs de matière équivalentes à celles que nous travaillons habituellement en fibre vierge. En termes de coûts d'investissement, de temps à passer, bien sûr vous en avez parlé, c'est de 2 à 3 ans. Et en termes de montant des investissements pour cette innovation? Alors sur les 3 années, l'investissement, ben, ça s'est fait progressivement en fait. Donc nous n'avons pas eu d'aide pour réaliser ces investissements, tout simplement parce qu'on n'en a pas demandé, hein, donc on ne se plaint pas à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose qu'on a fait petit à petit durant 3 ans, avec des moments d'euphorie, parfois des moments de grande déception, de grande solitude. Voilà, donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Et on peut estimer à peu près l'investissement en termes de moyens matériels, on va dire en tout cas, à hauteur de 300 000 euros environ. Voilà. Sans compter bien sûr tout le temps passé par toutes les parties prenantes, dont mon père évidemment et d'autres,
d'autres personnes qui sont des anciens techniciens, ingénieurs de la filature. Quelles ont été les retombées et les avantages de cette idée de s'engager dans une démarche, on va dire, RSE ou développement durable? D'accord. Donc, au tout début, en fait, l'idée a germé par rapport à une idéologie aussi, puisque bon, c'est vrai qu'on est assez proche de la nature en général. Vous avez vu, vous êtes venu à Brassac, on est entouré de bois. Donc, on est quand même sensible à la protection de notre environnement. Mais bien sûr, on va pas se mentir, il y a aussi l'aspect économique de tout ce cycle de fabrication, puisque vous savez que nous sommes dans un secteur difficile aujourd'hui, le textile, où depuis en 2005 notamment, on était dans une période de souffrance, on va dire, puisqu'il y avait eu l'abolition des quotas, donc tous nos clients qui travaillaient la maille en général étaient partis fabriquer à la grande import. Donc on avait aussi, il fallait trouver des solutions aussi, bien sûr, pour conserver, au moins maintenir notre chiffre d'affaires et notre outil de travail et continuer à trouver des solutions pour ne pas débaucher et garder notre personnel. Voilà, donc c'était également une idée évidemment économique aussi, hein, et de survie de notre entreprise. Et en termes de retombées au niveau de l'image de marque de l'entreprise, de nouveaux clients, de nouvelles parts de marché sur des marchés que vous n'aviez pas avant, vous avez senti une évolution ? Oui, bien sûr. Alors, grâce à ces produits 100% recyclés, en fait, on a pu reconquérir une part des marchés que nous avions perdu lorsque de nombreuses des marques avec qui nous travaillons sont parties à la grande import. Donc, c'est un petit peu un mouton à cinq pattes, on va dire, et c'est vrai que alors, ce qui était très surprenant d'ailleurs au départ, c'est que nous avions ciblé une clientèle pour ce type de produit. Et en fait, c'était une grosse erreur. Des marques qui étaient censées pouvoir être intéressées par notre concept, en fait, n'adhéraient pas forcément. Et par contre, des marques qu'on ne serait pas allé chercher au départ, c'est eux qui sont venus à nous de par le bouche à oreille. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'une hauteur de gamme de produits, mais il s'agit bien d'une philosophie de produits à la base. Et c'est, je pense, la direction, en fait, de ces marques ou de ces entreprises, suivant leur feeling, qui vont influencer et qui vont dynamiser un petit peu toute l'équipe à aller dans ce sens de l'écologie, du développement durable en soi. Quoi. Comment ces gens sont venus à vous? C'est grâce à votre communication que vous avez réalisée ou c'est les clients qui sont venus vous chercher? Comment ça s'est passé concrètement? Alors, là, au tout début, bien sûr, il a fallu qu'on fasse, qu'on aille voir les clients, puisqu'ils ne pouvaient pas deviner qu'on avait monté ce genre de concept. Donc, on est allé revoir toutes les marques, beaucoup de marques, beaucoup de centrales, beaucoup des anciens clients, des nouveaux clients. Et puis après, petit à petit, le bouche à oreille s'est fait. On a travaillé dans des groupes de travail comme Yamana, par exemple, la fibre citoyenne. Grâce à eux, disons que le produit a été un peu plus. A été davantage connu par de nombreuses personnes. Vous avez eu un label? On a eu un label également. Même on travaille sur d'autres produits. On a développé avec des marques comme Ferrari, par exemple. Certains autres produits sur des polyesters, par exemple issus de bâches de camion, avec lesquels on a réussi à faire des fils d'ailleurs pour réaliser des pièces en fait comme ceci, davantage axées sur les chaînes et trames, parce qu'il s'agit bien sûr de fils 100% polyester, donc 100% polyester on va davantage attribuer à du chaîne et trame qu'à de la maille. Mais on a eu par exemple sur ce type de produit le label EcoCert également qui nous a été délivré il y a 15 jours. Quels sont les avantages que vous avez pu ressentir sur l'aspect social ou sociétal, ne serait-ce qu'en interne, sans parler éventuellement des parties prenantes externes? Mais écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, bon, on avait perdu pas mal de parts de marché dû au fait qu'il n'y avait plus de quotas en 2005. Mm-hmm. L'ensemble de l'équipe, le personnel également, était inquiet, un petit peu désespéré, manquant de motivation. Mais grâce à ce produit, en fait, il est certain que ça a redynamisé un petit peu toute l'équipe. Et aujourd'hui, les gens qui voient que, notamment les personnes qui voient que ce type de produit
avancent dans le bon sens, mais ils sont fiers aussi de faire partie de cette équipe et d'avoir chacun à sa hauteur amené un petit peu son savoir-faire pour la réalisation de ces produits, bien sûr. Les matières que nous avons arrivent un petit peu partout dans le monde, hein, puisque nous ne faisons pas non plus que des produits 100% recyclés, nous avons aussi 40 qualités en gamme, et donc nous travaillons également beaucoup de fibres vierges, pour la plupart des qualités. Donc toutes les fibres vierges, que ce soit animales, végétales ou synthétiques, donc les laines arrivent principalement d'Australie, Cap, Amérique du Sud, laine anglaise, laine de France également, bien sûr. Tout ce qui est synthétique sont plutôt des matières qui viennent d'Allemagne ou d'Italie. Et ensuite, toute la partie en fait recyclée. En fait, nous avons monté un réseau de récupération dans des gros tricotages dans les pays de la vieille Europe qui font des standards toute l'année et qui nous font déjà un préclassement par nuance de couleur et par composition. Les compositions étant des compositions classiques de mailles en fait, hein, qu'on va retrouver comme les 50-50 acrylique laine, 70-30 acrylique laine, 100% acrylique, acrylique coton, etc. etc. Voilà, il y a en fait 5-6 types principaux de composants utilisés. 80 laine, 20% polyamide également. Par contre, ce qui est certain, c'est que en termes d'emploi, c'est la conception de ce nouveau concept de produit a permis de conserver ces emplois, ça c'est certain. Ouais. Développement durable, quoi d'autre ?